Bon, salut les amis. On est lundi. Je sors du denturologiste. Je suis allé faire ajouter mon partiel du haut parce que il avait tendance à débarquer quand je mangeais puis je me blessais. Puis là, j'ai tout mis mes projets sur la glace, là, la couverture, l'arbre cassé, le char. J'ai eu un appel de ma soeur qui m'informait que ma mère était aux soins intensifs avec une inflammation qu'on appelle une cellulite, là, une bactérie ou je sais pas quoi. Là. Puis, en même temps, j'ai appris que ma mère, son foie, il était fini. Mon père était décédé, ma mère, elle vivait plus. Elle vivait juste plus. Donc, apparemment, qu'elle a commencé à boire pas mal du vin, puis elle aurait développé une cirrhose du foie en 2-3 ans. J'ai mis en 9 sacrés à ça, moi. Je veux bien croire qu'après un coup, là. Mais elle se brûlait le foie comme un vieux alcoolique, là. J'accepte pas ça. Fait que je suis arrivé à l'hôpital, elle était... Je n'ai pas pu la voir parce qu'il était en train de travailler dessus. De faire un traitement ou une intervention, qu'il disait. Fait on n'a pas pu la voir. Excusez-moi, c'est vendredi, ça. Samedi après-midi, j'ai reçu un autre téléphone. Comme quoi, il fallait que j'aille rejoindre ma soeur à l'urgence ou plus sacrant aux soins intensifs. Là, ils nous ont appris que ses reins ne fonctionnaient plus. Qu'elle a commencé une pneumonie. Fait que c'est à nous autres de prendre la décision de savoir si on... Si on s'acharnait ou si on la débranchait. Donc là, avec ma soeur, mon beau-frère, ma filleule, la soeur à ma mère, on a pris la décision que elle voulait plus vivre. Fait que on l'a laissé partir. Qu'il donnerait de quoi pour qu'elle soit confortable et qu'elle ne souffre pas trop pour venir. Je restais avec, là, à côté d'elle le plus longtemps possible, à l'écouter. C'est agonisé, moi, que j'appelle ça. À 11h moins quart, ben c'était fini. Moins que le reste de l'histoire de crise de grippe de clown, là. Ma mère, là, ça fait 2 ans que je l'avais pas vue. Mon hostie de logo en mal. Enfermer des vieux, là, dans une maison de vieux, hein? T'en as-tu une crise de gang de même, mon esprit de roi, merde! Personne âgée, là. Ils sont restés enfermés pendant ces 2 ans-là, là. Hein? Qui ont déprimé, là, puis qui sont laissés aller, là. Qui vont être morts de toutes sortes d'autres affaires. Que de leur esprit de grippe de merde. Moi, quand j'ai déménagé ma mère, là, de 10. Juin 2020. Elle, ça faisait 54 ans qu'elle vivait dans la même maison que mon père. Là, elle a trouvé que c'était trop grand, c'était trop d'ouvrage pour elle, puis on peut comprendre ça, là.
ma journée de déménagement, moi j'ai eu le droit de charger le truck là. J'ai pas eu le droit de rentrer le stock chez eux. Imaginez. Si mon beau-frère, ça serait pas faufilé, là. Ma mère de 80, elle a fallu qu'elle s'organise avec ma soeur de quasiment 60 ans là, pour déménager. Imaginez si ça a du sens. Mais pendant ces deux ans-là, moi, là, le Pomax, là, j'ai pas le droit d'aller là. Moi, là, la femme qui m'a tout montré, qui m'a tout enseigné, qui m'a tout appris. La dernière discussion qu'on a eue, là, c'est qu'on s'assassinait sur le rasti de virus de clown de calice. Je l'ai plus jamais revu après. Combien dans cette situation-là, matin, je pensais? C'est de la cruauté, là. Ils ont été des petits virus à marque, là. J'ai assez hâte que le monde aille une calice. C'est plus ironique là-dedans, là. Vendredi avec ma soeur, on discutait. Comme Isabelle, elle s'occupe de... Elle est responsable, puis elle est à l'ordre, fait que c'est elle qui s'occupe de toute la paperasse, ces affaires-là. Moi, je vois pas de claque là-dedans. Elle dit, hey, elle dit, oui, toi et moi, je paye un téléphone cellulaire, là, tant par mois. Elle dit, non, tout le téléphone, elle dit, je vois pas pourquoi qu'on paye ça. Mais elle dit que c'est ton téléphone à toi. Ma mère, moi, elle m'avait grillé d'un téléphone cellulaire quand mon père commençait à être malade pour être bien sûr qu'il soit capable de m'en rejoindre. Ma soeur a dit, j'ai un téléphone TELUS que je paye à tous les mois. Moi, c'est un Virgin, fait que c'est pas mon téléphone. Quand ça dit ça, tu payes ça pour rien. Pendant le soir, je suis en train de travailler, je reçois un message, moi. Comme quoi que... Je vais demander un sondage, ouais, j'ai été bien servi avec le dernier commis avec qui j'ai parlé. Est-ce que c'est ça? Fait que le lendemain, moi, il fallait que je parle pour voir où est-ce qu'on en était rendu dans nos histoires avec ma mère, tu sais. J'ai envoyé un message, je réponds pas, je réponds pas. À un moment donné, il y a un gars de ma job qui arrive à la porte, puis il dit, hey, ta soeur a appelé au restaurant, puis il te charge, faut que t'aies l'hôpital de toute urgence. Fait qu'imaginez-vous donc que ma soeur a cancellé ma ligne de téléphone que ma mère m'avait payée parce qu'eux autres voulaient être bien sûrs que s'il leur arrivait de quoi, j'étais prêt à être averti. Mais calice, ma mère, elle se meurt, puis mon téléphone ne marche plus. Fait que ça, c'est tel que tel. Mais ce qu'on s'est surtout rendu compte, moi et Isabelle, là, c'est que depuis des années, elle paye le compte à toi et moi, puis moi aussi. Fait que là, il faut que j'aille régler ça avec eux autres. J'ai pas la tête à ça pantoute. J'haïs ça, moi, faire ça, les démarches de taponnage avec du monde, j'haïs ça, à ce type, vous n'avez pas idée. Hier, on est allé... au salon mortuaire, là, chez l'ancien réfrain, d'autres à Saint-Jean, sur eux autres, là. On se casse même pas la tête là, quand il y a un décès de l'autre chez la sœur et frère. Ma grand-mère, mon grand-père, mon père, mes oncles, tout le monde était là. C'est intense, ça. C'est incroyable tout ce qu'ils peuvent te dire en temps de 2 heures, tout ce que t'as à faire avec les trois nanas, puis ici, puis les ça, puis le tabarnak qui ne donne pas grand-chose. Ma soeur est bonne, hein? Elle est bien bonne. Là, ça, là, écoute, ma mère va être enterrée, puis ça va être terminé, là. Elle a accès à l'argent de tes parents. Moi, je fais confiance à 100 000 $, là. Je ne pense pas en fait avec ça. Quand on parle d'argent, là, c'est pas d'argent. Il y
y a bien des familles qui vont chicaner là, pour des montants de même. Là. Pas nous autres. Pour le manquer, il y a de l'argent, je me suis trop crissé de ça. Quand ça va être fini, là, on va dire, tu t'en vas une semaine en voyage avec ton chum. Tu te payes un voyage sur le bras. Avant, tu sais, genre avant que ça soit l'argent soit utilisé, ça va être utilisé en trois, moi, ma soeur, puis sa fille à elle. Là. Fait que moi, tu sais, pars une semaine sur le bras avec ton chum, là. Au Mexique, une place comme aller, là. Faut que tu ailles au Mexique en plein été. Il y a ce qu'ils voudront dire. C'est en moins des choses que je peux faire pour elle. Parce que c'est bien beau là. Mes parents sont partis les deux. Et ma soeur a vieilli elle dans le temps de dire. Chance à un bon gars qui est avec elle. Un beau petit bon gars, c'est bien. Tu sais, quand tu traverses des épreuves de même, tout seul, c'est pas facile. Moi, quand je reviens chez nous, j'ai mon chien. Fait que c'est ça, c'est réglé. Samedi, c'est la funéraille, puis... là, pour l'enterrement, ça va aller dans la semaine d'après. Ma mère, moi, j'ai trop pensé qu'elle était pour vivre jusqu'à 120 ans. Une boule d'énergie, là. Elle a travaillé, cette femme-là, dans sa vie, Chris. Là, je suis à ma job, là. Faut que je vienne voir mon gérant, puis il n'y a pas de l'aide à être, là. Je suis pas mal mêlé, là. Je suis pas mal... Ça me tente pas de rien. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est de parler à ma mère une dernière fois. J'aurais aimé ça qu'elle me voie une dernière fois. Je sais pas comment je vais dealer avec ça.